oui, alors ça, c'est un sujet assez, assez curieux. Euh, les plantes, euh, on les considère comme euh, des, euh, comment dirais-je, un système vivant qui est relativement primitif, alors qu'on découvre au contraire euh, que dans leur univers de plantes, elles fonctionnent d'une certaine façon et avec une intelligence incroyable. Mais je crois que la chose la plus remarquable, c'est que euh, nous pouvons avoir une communication avec les plantes comme nous pouvons l'avoir avec des animaux. Eh bien, euh, tout ça, ça a été découvert euh, progressivement euh, par euh, un, un Américain qui s'appelle Cliff Baxter, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs de, de ses travaux dans mes, mes précédents livres, d'une façon très schématique, bien sûr. Et on s'aperçoit que euh, ces plantes-là, en fait, ont des systèmes de communication hyper sophistiqués, ce qu'on appelle la biocommunication, c'est ce qu'appelait évidemment le Cliff Baxter. Et là je tiens à dire à lui rendre hommage, puisqu'il vient de mourir à l'hôpital euh, il y a quelques jours. Donc j'ai l'intention de, de publier son manuscrit. Il a effectivement fait un travail pendant 30 ans sur justement euh, l'intelligence de ces plantes. Et euh, c'est un ancien membre de la CIA. Et comme dans toute, euh, à l'époque, juste après la guerre, euh, on utilisait, et on utilise toujours d'ailleurs, des, des systèmes euh, qui permettent effectivement de détecter, euh, je dirais, les émotions humaines, je dirais même le, les détecteurs de mensonges que l'on appelait à l'époque qui sont des polygraphes, n'est-ce pas, qui captent des réactions électriques euh, ou microélectriques du corps et qui permettent de constater euh, sur des oscillographes, bien sûr, euh, des, des, les, les, les sursauts que ça peut occasionner dans la mesure où on dit quelque chose que l'on pense ou que l'on ne pense pas ou que l'on pense mal. Donc, il a trouvé intelligent de pouvoir euh, fixer sur des plantes ces capteurs pour voir si les plantes avaient des réactions aussi euh, elles-mêmes. Et sa grande surprise, il a constaté effectivement que ces plantes euh, avaient des réactions en fonction des émotions humaines. Alors ça, ça a été une grande surprise puisque euh, pratiquement, euh, on ne peut pas imaginer une plante avoir des réactions en fonction des émotions humaines. Et elle n'a aucun système neurobiologique, il n'y a rien du tout. Euh, comment capte-t-elle ça Comment fonctionne-t-elle alors, il faut savoir que les Russes fait, avaient déjà fait depuis très longtemps des études là-dessus, dans les années 60 aussi. Et euh, ils avaient installé eux aussi un polygraphe sur une plante. Et ils s'amusaient à faire tomber dans de l'eau bouillante à côté des crevettes vivantes. Et à chaque fois qu'une crevette tombait dans l'eau bouillante et mourait instantanément, il y avait un sursaut sur le polygraphe. Donc la plante enregistrait. Euh, la mort, si je peux dire, et peut-être comme une espèce de menace pour elle. À partir de là, ça les a intrigués, ils ont continué. Et un jour, il s'est passé la chose incroyable savoir qu'il y a eu un assassinat, tout simplement euh, dans un appartement, et euh, il y avait plusieurs suspects, et euh, la police ne savait pas du tout quel était ce fameux suspect. Il n'y avait aucun témoin, si ce n'est que les meubles et une plante verte. Et c'est ça, hein, on demandait à la police mais on va mettre. Un polygraphe, et on va voir ce que cette plante verte va faire si vous faites passer tous les suspects. Et effectivement, à chaque fois qu'il y avait un suspect qui passait précis, eh bien, la plante avait un sursaut. Comme si elle reconnaissait l'assassin. Les, 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 les policiers n'ont pas voulu le croire, bien entendu. Ils ont dit ça, c'est un hasard, c'est tout. Mais à chaque fois qu'on refaisait passer ces suspects, c'était toujours le même suspect qui était euh, concerné. Si bien que lui-même a avoué que c'était lui l'assassin. Donc, ça, ça avait une stupéfaction incroyable. La plante, elle, si vous voulez, il n'y avait pas besoin d'enquête. Il hein. n'y avait pas besoin de. de, 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 de euh, comment dirais-je d'inspecteur Colombo, <laughs> comme dans les, les, les films. Euh, L'enquête était directe. Une plante ne ment pas. Une plante euh, a un flair, une sorte d'intuition des choses. Comment peut-on expliquer ça c'est absolument incroyable. À partir de là, effectivement, Cliff Baxter a continué. Et il s'est aperçu que euh, la plante allait encore beaucoup plus loin qu'on imagine. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que, effectivement, ce livre, je l'espère, le sortir à la fin de l'année. Je suis en, pour parler avec mon éditeur qui est passionné par ça. Et euh, on s'est aperçu, et ça, croit crois que c'est le, le, le trait principal, que, en fait, euh, la plante fonctionne comme tout le vivant. À savoir qu'il a fait des expériences, il avait dans son bureau ce qu'on appelle un dracéna, c'est une plante, et euh, un jour il a dit Je vais voir, en mettant le capteur bien sûr et ses polygraphes sur sa plante, il a dit Je vais voir la réaction qu'elle va avoir si je lui coupe une feuille. Bon, donc il pense cela. Et euh, donc il va, il va aller chercher un ciseau. Non, là c'était plutôt un briquet, il voulait brûler une feuille. Donc, il pense ça. Eh bien, à sa grande surprise, ce n'est pas du tout en sortant le briquet ou en voulant brûler, euh, effectivement, la plante, que la plante va réagir. C'est au moment où il a l'intention de le faire. C'est la plante avait capté l'intention. Alors ça, c'était quelque chose d'énorme. C'est bien que le polygraphe a réagi au moment où, où il l'a pensé, bien avant l'action. Alors... Je ne peux pas tout expliquer ici, ça serait trop long. Et puis je ne veux pas dévoiler non plus tout cela, parce que vous le lirez quand le livre sortira. C'est absolument hallucinant. Et je dirais que par rapport euh, aux recherches qui se font actuellement sur les plantes, sur les plantes là, euh, on passe, je dirais, à un saut quantique, je dirais. Parce qu'une fois, fois de plus, ce n'est pas simplement des réactions biochimiques et électriques que les plantes ont par rapport à leur environnement c'est des réactions conscientes. Et ça va beaucoup plus loin. Par conséquent, on rentre là une fois de plus dans les origines et dans les mystères profonds de la vie par rapport, je dirais, au vivant et par rapport à notre système physique et notre univers physique. Donc là, nous rentrons encore dans ces grands mystères de la vie. Et en fait, je rends hommage à, à, à Cliff Baxter et surtout à sa traductrice, qui s'appelle Michelle Choquet et qui sera donc euh, participante, si je peux dire, à l'édition de ce livre, qui a traduit en français un livre euh, écrit en américain, bien entendu, mais qui n'est jamais paru aux États-Unis, et à l'époque, tout le monde a, a voulu refuser ce livre, et il prenait Cliff Baxter pour un farfelu. Alors que maintenant, les choses sont beaucoup plus sérieuses. L'évolution de la conscience humaine fait qu'on commence à intégrer de plus en plus dans les recherches, même purement scientifiques, je dirais le phénomène de conscience, qui est un phénomène, bien sûr, qu'on expliquait avant au niveau quantique. Mais maintenant, la physique quantique, telle qu'on l'a définie au XXe siècle, n'existe plus. C'est une physique informationnelle et conscientisée. Bon. Donc, nous sommes actuellement avec les plantes et on s'aperçoit que toutes les végétaux fonctionnent de cette façon-là, que ce soit le moindre brin d'herbe, que ce soit la pâquerette du champ, euh, fonctionnent même d'une façon collective, ensemble, etc. Donc, on découvre un univers incroyable, et je crois que l'essentiel, c'est euh, de comprendre qu'il faut respecter la vie, quelle qu'elle soit. Bien sûr, nous utilisons des plantes et nous les mangeons, bon. Euh, la vie est telle que effectivement, nous sommes obligés de le faire pour pouvoir nous nourrir. Mais comme je l'explique dans mon dernier livre, L'au-delà de l'eau, en fait, on pourrait très bien de se passer de nourriture. Hein, et euh, c'est bien connu. Vous avez des gens qui ne mangent plus depuis des années. Et on en trouve de plus en plus. Euh, on n'en parle pas, bien entendu. C'est un, un, un phénomène incroyable. Mais savoir que ces gens-là ont basculé, précisément, non plus avec nos systèmes thermodynamiques explosifs. On utilise partout au niveau de l'énergie, au niveau du fonctionnement de notre corps, au niveau thermodynamique, a été remplacé par un système qui s'appelle implosif et qui est l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'énergie, l'avenir de tout ce qui se passe au niveau de la conscience et au niveau surtout, je dirais, euh, de sorte d'affranchissement de la matière telle que nous la connaissons. Donc, c'est une sorte de spiritualisation de l'homme, mais euh, on n'en est pas encore là, bien sûr. Mais est-ce qu'il est qu faut ne pas manger Ça, c'est une autre histoire. Je crois qu'on n'en est pas encore là et peut-être qu'il ne faut pas en être là. Donc, tout ça, ce sont des questions immenses et ce livre va, encore une fois de plus, poser une interrogation immense à la science. Et ça, j'en suis heureux de pouvoir le publier grâce, effectivement, à Cliff Baxter et à sa traductrice. Thank you.